La OW300 est équipée d'un moteur diesel de 25 chevaux de 3 cylindres. Ses 3 roues motrices et son andaineur d'1,20 m fait de la OW300 une machine très maniable. Elle trie les déchets sur le côté grâce à son tapis d'éjection et permet une récolte très propre. L'andaineur, donc lui, c'est un andaineur hélicoïdal comme toutes les machines Borl, qui peut également être monté avec des doigts en caoutchouc pour les conditions extrêmement difficiles quand on a des pommes dans l'herbe. Et cet andaineur, il a l'avantage de travailler aussi bien à droite qu'à gauche. Donc là, on est parti gauche et on peut, en enlevant deux chevilles, le mettre côté droite. Donc ça, c'est très apprécié pour les gens qui ont des vergers basse tige et haute tige, parce qu'également cette machine, vu son encombrement, fonctionne très bien dans les hautes tiges et du fait d'être 3 roues est très maniable pour tourner autour des troncs. Et donc les pommes sont dirigées vers un tapis et là on a donc un tapis nettoyeur, système très connu dans le domaine des pommes. Et à son extrémité du tapis, on a une palette qui est donc en biais où donc vont passer toutes les feuilles. Les feuilles donc vont sortir ici, les déchets, et les pommes sont convoyées par le tapis en côté qui est réglable hydrauliquement à partir du poste de conduite. Les pommes arrivent donc dans le conteneur en haut et sont toujours propres, peu importe l'époque de l'année. Le bainage de cette machine permet d'aller dans des remorques jusqu'à 2,65 m. Et on emplit bien les remorques jusqu'au milieu. On a des fruits absolument impeccables. Et ça toujours, à l'écriture.